Alors c'est l'histoire d'un mec. Oh, on va où Lucas là? Salut les amis, bienvenue à Manicourt pour l'étape française du World SBK. On va suivre en inside le champion du monde Supersport 2017 qui est aujourd'hui pilote Superbike pour le team Kawasaki Puccetti Racing. Il est en train de s'échauffer là juste à côté de son camping-car pour la FP3. C'est parti, on va suivre Lucas Mayas. Ça va ? Ça va ? Voilà monsieur Lucas Mayas qui fait le tour malais juste avant la FP3. C'est ça. Je t'amène ? Allez, merci. Ah, une saloperie de C15, d'express quoi. Ah, toi t'es C15 toi. Putain. Toi t'es team C15. Ça, ça. Pourriture ces trucs là. Saloperie. Vive les C15, mon express. Tiens, comment ça? Parce qu'ils sont trop beaux qu'ils arrivent devant, ils se rappellent plus qu'ils aient l'heure. Rire et chanson. Eh, c'est la première fois que je vois un pilote s'échauffer avec rire et chanson, c'est bon ça. Ouais, il faut. En fait j'avais marre d'écouter de la musique, j'adore la musique, c'est ma deuxième passion ouais. En fait si tu veux. Mais le problème c'est que ça dépend des humeurs, ça dépend des trucs et au moins ça c'est pas toi qui choisis. Ah, okay. Un coup ça te fait rire, un coup non, un coup. Donc on a un World SBK et on écoute Chevalier à la Spalès les gars. Ah voilà, bah oui. Heureusement. Hein. FP3, t'as l'impression que ça va déjà 6 heures que tu es sur la moto. Ça fait combien de tours en fait, je sais pas. Ouais. 6, 5, 12, 12, 13 tours. Ouais. Elle est épuisante cette moto. Ouais, parce que c'est vrai que t'entendrais dire ça tout à l'heure. Ça va être des moments plus le week-end avance où tu te demandes pourquoi tu fais ça quoi. Ah c'est donc c'est de la pression en fait. Ouais c'est un mix de tout, de pression, ouais. De peur, d'angoisse, de ne pas avoir envie. De... Ça c'est ce que personne te dit ça. Oui oui c'est en mode. À la télé on te dit, on te fait croire que tout est beau, que tous les mecs ils ont qu'une envie c'est d'y aller, que c'est génial et que. Ah ouais c'est génial mais t'as quand même au fond de toi. Le truc qui te dit, si j'étais ailleurs à ce moment-là, ça me dérangerait pas quoi. Et après, dès que ça part, ça disparaît j'imagine. Ouais, ça part et puis dès que tu rentres chez toi, tu te dis, mais en fait, je peux pas vivre sans ça en fait. Ouais. C'est ce truc-là qui te donne envie de... d'y être, c'est ouais. Tout quoi. Donc toi, t'as jamais eu un pilote dans ta vie où t'étais fan? Non, j'ai jamais été fan. J'ai toujours admiré Chambon. Ouais. Tu vois, ça a été un peu le truc qui m'a pas motivé, mais qui m'a, voilà, l'assistance, ça me donnait envie parce qu'il y avait Chambon, parce que j'attendais toujours une fin de course, une glisse, un wheeling, un truc quoi, un mec un peu qui sortait du lot, tu vois. Et après, quand j'ai commencé et qu'on m'a comparé tout le temps à lui, c'était cool quoi. Ouais, c'était top quoi. C'est un mec vraiment, vraiment gentil aussi.
Full race without. Yeah, 5 laps with and after without. Yeah, maybe. Yeah, this one. So yeah, because you make 38.0, 37.8, 2, and then 5 from the. Yeah, because I need time for. Change my style, you know, because for example, when you try to enter in the chicane, also in the small corner, you're losing the front, but you don't have the possibility to pushing in the green, you know, it's every time, you're losing the front. Yeah. Premier one man show. Tu sais faire les cocktails ou pas? Alors c'est l'histoire d'un mec. C'est tout pour moi, c'est Eric Arias. Vous la connaissez? Bonjour. Vous pouvez mettre à Serge Nuc. Je connais pas ce mec là. Tu connais pas ce mec là? Rends-moi mon poster. Si c'est pour rouler Serge. Là. Le soir, ouais, on reste pas longtemps, non. Et 20h30, juste voir un peu 5 heures plus tard, ouais, le monde, ouais. le truc, non, non. Juste voir un peu ce qui se passe. Ouais, c'est beau. I think if I use this, the race is finished. 2020. Very soon return. Necessary buffering. 2020. Ça se tente. Allez Lucas. If I'm not break over the limit for sure, I ride in 39. Every corner I'm over the limit. For the other guy, he think it's possible to overtake me because the speed is very shit and come back, but It's too late for break. Me, I break very after, and every time push me outside the track. Every time. We know what we have. You have to take as almost compliment from the other rider. They have to try to make a desperate pass because otherwise they cannot. So it's not a show from your riding. It's a show from them. Yeah, they need to be crazy with the advantage of the engine to make a pass. Is a compliment for you. Pourquoi le rose? Couleur, ta couleur fétiche? Ben ouais, parce que. Alors maintenant ça s'est un peu démocratisé, tu vois, tout le monde a un peu de rose, mais quand j'ai commencé en 2014, il n'y avait pas de rose en fait, tout le monde était noir, blanc, machin, rouge.
c'était encore une fois un peu histoire de me démarquer quoi. Mmh, d'accord, c'est resté. Et ouais, puis j'aime bien la couleur, je trouve que c'est, ouais, c'est sympa, ça claque. Et du coup c'est un peu resté, et puis un peu aussi des serges, tu vois. Ouais. Genre des pompons roses, des trucs, des machins, ça allait bien avec l'image de Groland. Groland, c'était le logo, il était en rose. Voilà, c'était... Ah oui, d'accord, ok. Bah celle-là, elles vont plus plus dedans. Sans rien, je cherchais un truc pour trouver une aération. Et là, quand tu fais des bons résultats, ouais, que t'as la route à te faire, c'est un régal en fait. Et là, tu vas cogiter. T'es content, ce truc, tu... putain, les retours en super sport, c'était le feu quoi en fait. C'était presque la deuxième partie du week-end quoi. Quand on était avec Pierre-Yves, qu'est-ce qu'on se fendait la gueule. Tu fais que de la merde partout, t'arrêtes dans les stations acheter que des merdes, des trucs partout. T'as gagné du pognon, t'es content. Merci. Pour finir. Tu bosses pour TMC toi en fait, non? C'est ma vie en camping-car, 90 enquêtes. Non, sur les nudistes, au Cap d'Agde. 90 enquêtes, nudistes au Cap d'Agde. Et les gendarmes à Fréjus. Des trucs à Fréjus avec les mecs où il y a des bagarres sur les boîtes de nuit. 100 jours avec les policiers. Je vous montre, voilà. C'est Lucas qui a choisi la mise en scène pour conclure la vidéo. Et là, il va adorer ce que je vais lui dire. Je vais dire, c'est à toi de terminer la vidéo. Tu dis ce que tu veux en fait. Wow. Okay, j'avais pas prévu, putain, là, c'est de la vraie improvisation. Voilà. Non, non, pas grand chose à dire, week-end compliqué encore, pas mal de choses positives, il y a aussi du négatif, donc il va falloir retenir que le positif, les résultats sont pas encore là, on sait que le matériel est un petit peu en dessous pour l'instant, on n'a pas de perspective d'avenir pour le moment, c'est un poil compliqué. Pour moi aussi, pour le futur, je sais pas ce que je vais faire dans le futur, donc c'est un peu une période un petit peu tendue. Ouais. Mais bon, voilà, il a fait beau, il y a eu beaucoup de monde, on va retenir ça, c'était quand même cool, les gens étaient top, je pense, on s'est tous bien régalés. Ouais. Il y a quand même eu du beau spectacle devant et dans les autres catégories. On a quand même eu un Français sur le podium en 600 avec Jules, pour sa dernière apparition du coup à Manicourt. Donc voilà, c'est comme ça, on a passé un bon moment avec toi, c'était cool aussi. Montrer un petit peu l'intérieur de comment ça se passe et que bah, c'est pas tout le temps tout rose, tout beau comme on voit sur les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est du travail, c'est pas qu'un amusement, c'est un vrai métier, un vrai boulot avec les hauts, les bas, les doutes, les... voilà, beaucoup de choses à travailler dans sa tête. Et voilà, c'est pas juste monter sur une moto, porter des beaux vêtements et des beaux cuirs et des beaux casques. Et voilà, non, il y a quand même un beau boulot derrière, autant psychique que mental, ouais, que voilà, c'est pas simple. Eh ben, merci beaucoup, j'étais très très content de te suivre pendant 2 jours. Voilà, je sais qu'on est très nombreux à avoir de l'affection pour toi. J'ai vu, j'ai reçu ton message hier soir, voilà, pour dire oui, bébé. Oui, compris que t'étais quelqu'un. J'ai envoyé un message que je devais envoyer à ma chérie. En fait, j'ai envoyé à Lucas, je te raconte pas le manège, j'étais pas bien, je me suis mal. J'ai pas bien dormi. J'ai vu que t'étais un mec qui s'attachait vite. Ouais. Voilà, non, mais voilà, on est à fond avec toi et on espère que bah, voilà, les prochaines courses ça va le faire. Ça roule. Et merci d'avoir accepté la caméra. Top. À bientôt, merci. Les amis. Ciao, bye bye. Ciao.